Matridim, Perek, chapitre 9, paragraphe 1. Keshaïkara Kol, fermez les micros pour ne pas que ça dérange. Keshaïkara Kol ou Aruma, Keshi Israël Mukar, les Merkaz à Tevel, Midgale Berouach Yadout, Oraklali, Shel Kol à Avaya. כשאי אפשר רעיון זה להיגלות בחיים, צריכים לפנות אל ההערה האלוהית עצמה שבחיים, ואז כל דבר פרטי מתעלה למגמה האלוהית. והניצוצות מתעלים תמיד על ידי כל פעולה מעשית ומחשבית, וההווה של החיים נעשה כל כך קדוש כמו העתיד. טוב, pour ceux qui viennent de rentrer, on est au chapitre 9, paragraphe 1. On reprend. C'est-à-dire quand il est clair pour tous que l'essentiel de toute existence, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire c'est reconnu par toutes les nations. Évidemment, pour que les nations puissent le reconnaître, encore faut-il que le peuple d'Israël lui-même le comprenne, qu'il est le centre de l'existence. Donc il explique que chez Israël, Moukar, les Merkaz Atavel, lorsqu'il est clair pour tous que le peuple d'Israël est le centre de l'univers entier, alors il est clair, apparaît dans le judaïsme, on va dire, la lumière divine de toute l'existence. C'est-à-dire, il parle de quelle situation? C'est ce qu'il appelle dans le Malach Eideot, Shaidea Elokit Mechuberet la Idea Leumit. C'est-à-dire, il est totalement clair que la machine nationale du peuple d'Israël n'est là que pour faire véhiculer la révolution divine dans ce monde, d'amener l'humanité entière à la connaissance du monde. Ça a duré pas tellement longtemps, disons l'époque de Shlomo Ameler. Il était clair pour tous que le royaume de Shlomo Ameler, c'était, on va dire, la plateforme politique réelle de la diffusion de la divinité dans le monde. Donc dans cette situation optimale, il ne suffit que regarder Israël, ou bien vivre en Israël, pour s'élever automatiquement à la divinité. On baigne dans une atmosphère de divinité. Maintenant, il y a une autre situation dans l'histoire, provisoire, mais qui peut durer 2000 ou 3000 ans, et après on reviendra à notre situation normale pour l'éternité. Quand ceci n'est pas réalisable dans la vie, alors, vous voyez la différence. Au début, il a parlé de Or, alors que là, il parle de Ehara. Or, c'est la source même de la lumière. Ehara, c'est un petit rayonnement faible. Donc, ne pouvant nous accoler à la source même de la lumière divine, on recherche ça et là, dans les ténèbres de l'exil, des petites étincelles de divinité. Donc, « Shi'ifshar ha'yonzel itgalot b'chayim »« Tzichim lifnot el ha'ara Elohit atzma shebachayim » Donc, au lieu d'observer le peuple d'Israël et d'en être ébahi de sa grandeur, et à travers la grandeur d'Israël, percevoir le divin, et bon, on va chercher à la loupe, dans toutes les plus petites existences de notre vie, comment malgré tout se lier au divin, par des comportements, par un approfondissement de voir le divin à travers tout, mais ça demande, ça nécessite bien plus d'efforts que lorsque tout est illuminé. Là on parle d'une obscurité totale, et avec un microscope, essayer de chercher comment dans cette obscurité, il y a ça et là des petites étincelles de lumière divine. Non, le problème, c'est qu'on s'est tellement accommodé à cela qu'on a l'impression que c'est la seule manière de vivre le divin. Vasco d'avoir pratiqué, imitale la Megama Eloïte. Et alors, même les choses les plus, on va dire, banales, on peut aussi les élever et les faire contribuer à l'objectif divin. C'est ce qui s'appelle, dans le Mesilat Yesharim, Madriga Takdusha. D'être capable, dans tous les comportements, ne pas se déconnecter de Dieu et être en totale connexion avec Dieu. Évidemment, ceci n'est possible qu'à quelques individus à travers l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le Rav Kook, là, il ne parle pas spécialement du peuple d'Israël. Il se peut qu'il y ait aussi des goïms qui ont une très grande moralité, une aspiration à la justice, à la moralité et même une aspiration à Dieu. Alors, eux aussi,
tant bien que mal, peuvent se lier à la divinité dans cette situation d'obscurité totale. Parce que d'avoir pratiqué mitalé la megama Elohit. Alors nous, quand on mange, c'est parce qu'on a faim, ou bien parce que c'est agréable au palais. Eux, le fait même de manger, ça vaut d'être Hachem. Il faut savoir différencier entre une activité qui contribue au service de Dieu, ou une activité qui est elle-même le service de Dieu. C'est-à-dire ce que définit le Rambam dans Shmoné Prakim. Que quand tu manges, pour être en bonne santé, pour pouvoir servir Dieu, c'est pas encore un niveau de Kdusha. C'est un niveau très élevé de Dvekut Bashem. Kdusha, c'est le fait même de manger qui est Avodat Hashem. Comme il dit à propos de Boaz, Vayochal Vayesht, Vayitav Libo, dit Chazal, Aou Bedivre Torah. Ce qui veut dire, le fait même de manger et de boire, c'est lui, Avodat Hashem. C'est dit de manière aussi allégorique dans la Gemara. Kol ashofer yain begronam shel talmidei chachamim kiilu menasech al penei hamizbeach. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel talmid chacham de coin de rue, c'est le talmid chacham par excellence qui ne vit que la pensée divine constamment. Donc, chez lui, toutes les actions les plus banales s'élèvent automatiquement au niveau de la sainteté. Mais évidemment, de cette manière-là, on ne peut pas élever le peuple entier, encore moins l'humanité entière. Il ne s'agit que de quelques individus qui sortent vraiment de l'extérieur de la règle. C'est-à-dire au niveau de l'action, au niveau de la pensée. Donc ces gens-là, ce sont des précurseurs de l'histoire. Bien que l'histoire entière, c'est-à-dire l'humanité entière, se trouve encore profondément engloutie dans les ténèbres, eh bien, eux, ils vivent ce dont aura l'air l'humanité entière à la fin des temps. À tel point qu'il est dit que « Yekatouf Kodesh al-Mesilot Asus » que ça veut dire. Normalement, ce qu'on connaît, nous, c'est que dans le Bet Amikdash, au Kodesh HaKodashim, le Aaron HaKohen, sur son front, sa couronne, là, il avait marqué « Kodesh ». À cette époque-là, à la fin des temps, même sur les choses les plus basses de ce monde, comme Mesilot Asus, ça veut dire les, je sais pas comment on dit ça en français, ce qu'il y a sous les sabots des chevaux, là-bas il y aura marqué Kodesh. Pour te dire que les fers à chevaux. Les fers à chevaux, voilà. Que tout sera sanctifié. Ve Yerushalayim tikare Hashem Shama. Dis Razal, al tikare Hashem Shama, et là Hashem Shma. Son nom s'appellera Yudke Bafke. Ça veut dire que sur les moyens de transport, il n'y aura plus marqué Jérusalem Tel Aviv ou Tel Aviv Jérusalem, il y aura marqué Tel Aviv Yudke Bafke. Ce sera clair pour tout que le divin se trouve partout. Bon, ça c'est à la fin des temps, après la venue du Mashiach, après la reconstruction de Beit HaMikdash, notre influence sur l'humanité entière. Donc on a vu, il y a deux situations. La situation la plus idéale, c'est lorsque le peuple d'Israël se trouve sur sa terre avec sa souveraineté, son Beit HaMikdash, sa Kehuna, etc. Alors, tout baigne dans une ambiance divine, il suffit de vivre dans cette ambiance que automatiquement tu es porté sur les ailes de cette ambiance, et l'humanité entière, en se liant au peuple d'Israël, elle-même, elle s'élève à ce niveau. Deuxième situation, c'est lorsqu'on est en exil. C'est-à-dire, évidemment que nous-mêmes ne sommes pas conscients de notre centralité, donc évidemment que les goyim ont la peine à comprendre que nous, on puisse être la centralité du monde. Donc chacun pour sa peau, que ce soit les juifs ou les goïms, les idéalistes parmi eux, les saints, ceux qui aspirent à Dieu, essaient tant bien que mal de chercher des étincelles de lumière dans les ténèbres les plus obscures. Et ces gens-là, ça veut dire que ça ne sert à rien, ces gens-là ce sont eux, c'est-à-dire grâce à eux, que finalement on arrivera à la situation optimale. Car eux, ils ne sont pas d'accord avec l'existence. Ils manifestent contre l'existence actuelle et ils sont tout le temps en train d'éveiller les consciences pour nous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de vivre dans un monde pareil. On peut changer l'existence. Il n'y a qu'à voir, regardez-moi, j'ai réussi. Sans aucun orgueil, juste pour dire que c'est faisable. Et du fait même qu'ils existent à travers l'histoire, c'est tzadikim, ça donne envie au reste des gens qui les accompagnent,
de s'élever au même niveau. Et c'est comme ça que petit à petit, le peuple d'Israël, et après ça l'humanité entière, arrivera au niveau de Tzedekim, qui eux étaient des précurseurs de l'histoire. Top, Piscabet. Bezé Shinim Saïm, Rabim Ibn Israël. Je ne sais pas si vous remarquez, le chapitre, c'est que Kdushat Israël. Après qu'on a parlé de tous les thèmes du peuple d'Israël, sa relation avec l'égoïme, etc. Et là, on va parler de la chose essentielle. C'est comme ça qu'il boucle son livre. On va bientôt terminer hors d'Israël. N'oublions pas qu'en fin de compte, la spécificité du peuple d'Israël, c'est la sainteté. C'est le fait qu'on puisse être, nous aussi, des pros en technologie, en science, en art, en sport, et tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais en cela, on ne met pas en évidence notre spécificité, on met en évidence le fait qu'on est des hommes. Et vu qu'on est Israël, donc évidemment on est des surhommes, donc on réussit aussi mieux qu'eux dans tous ces domaines. Mais en fin de compte, ne pas oublier, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, nous sommes un peuple, une nation de prêtres, qui a comme rôle d'élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc c'est pour ça que dans tout ce pérec, il va parler de cet aspect du peuple d'Israël, l'aspect le plus libi, le plus intérieur, le plus cardinal. Donc, baiser chez Nimsaïm Rabbi mi bene Israël, chez Mekifim Tamid et Atochen Aruchani, chez la Uma Besheresh Kotso, Mosifim Wachayim, Veopenimi, Meoded ou Mekacher, Bechola Uma Kula. C'est-à-dire du fait même que se trouvent nombreux juifs qui sont toujours plongés dans l'aspect spirituel de la nation, c'est-à-dire dans la racine la plus sainte. Il est bien clair que le Rav ne fait pas allusion seulement à ceux qui étudient la Torah toute la journée. Parce qu'il est marqué « Atem tiouli mamlechet konim vegoy kadosh »« Kedoshim tiouli elohechem » Il n'y a pas marqué une partie, une élite doit être kedoshim. La nation en tant que nation doit être kedoshim. Et dans une nation, évidemment, il y a toutes sortes d'activités. On ne peut pas envisager que toute la nation soit toute la journée Beit HaMidrash en train d'étudier la Torah, alors qu'il va s'occuper d'entretenir les aspects matériels de la nation. Donc évidemment, que dans une nation, peut-être plus de 90%, ça donne au fonctionnement journalier du développement matériel de la nation, et une petite élite, disons 10%, comme c'était à l'époque, le Shevet HaKuna, un douzième, ça donne totalement à l'étude, à la prière, etc. Et son rôle est d'élever la nation. Mais quand le Rav dit « Nimsaim Rabbi Mimene Israël » lorsqu'on se trouve dans une situation où il y aura de nombreux juifs « Shemekifim Tamid et Atochen Aruchani » qui sont toujours avec une conscience très très forte du divin. C'est-à-dire qu'ils soient ingénieur en informatique, ou qu'il soit médecin, ou qu'il soit artiste, ou qu'il soit sportif. Mais ils ont une pensée constante d'être proche de Dieu à travers leur activité. Comme il est dit, Bechol derachecha darehu. Connais-le, Akadosh Baruch Hu, dans tous tes chemins. Et il faut faire très attention à cette phrase. Ça ne veut pas dire que parallèlement à tes activités, tu dois aussi connaître Dieu. Il y en a qui ont expliqué de cette manière. C'est-à-dire que si déjà tu es en train de cueillir des oranges, alors que c'est à perdre, en même temps, récite des Mishnayot. Le Rav Kook est virulemment contre cette approche. Il dit ceci ne fait que développer un dédoublement de personnalité. Mais si tu cueilles des oranges, ben fais ça de manière entière, de manière parfaite, de manière totale, en comprenant la valeur intrinsèque de fait de cueillir des oranges pour Dieu. Dieu a demandé aussi de développer ce monde, je suis en train de le faire. Et si maintenant je suis en train de me promener avec ma femme pour qu'elle se sente bien, et que moi aussi je me sente bien, et pour renforcer des liens amicaux, romantiques entre moi et ma femme, eh ben je me dis, toi, de toute façon, elle ne se rend pas compte, je vais dire des Michelin en même temps. Non, je fais de tout pour rendre l'événement le plus heureux, le plus agréable, et en cela, je cherche Dieu. Sans quoi, tu es tout le temps en train de penser à ce que tu ne fais pas. Je te donne un exemple. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est avraire. Il étudie la Torah à la yeshiva et sa femme travaille. Ce n'est pas une situation normale parce que normalement c'est l'homme qui doit se soucier de la parnassa
de la famille et ne jamais l'oublier. Mais disons que sa femme est une idéaliste et elle est prête à se sacrifier pour mettre sur pied un Talmid Chacham pour la nation. Mais malgré tout, il a des remords. Il dit, ben mince, moi là, je suis bien assis au chaud, là, dans les Shiva, en train d'étudier, et ma femme est avec 12 gosses qui lui prennent la tête toute la journée. Donc il a un petit peu des. T'entends plus dans M'entendez pas? Là, Bon. maintenant, on vous entend, c'est bon. Ah. Il a des sentiments de culpabilité et en plein Beth Midrash, il court à la maison pour venir l'aider. Mais comme il a quitté, tu aurais mieux fait de rester au Beth Midrash. Si déjà tu es venu, tu es entièrement dans cette activité, sans pression. Si tu as décidé que ce qu'il y a de mieux à faire maintenant, pensant que ta femme pourrait craquer, etc., c'est de venir l'aider, alors tu es totalement avec ta femme. Et dis-le au Rav Kook. Et si maintenant tu vas au Beit HaMidrash, eh bien tu ne trouveras pas Dieu. Dieu se trouvera avec toi maintenant en train de langer le gosse, en train de lui faire la douche, en train de faire la vaisselle. Dieu va faire avec toi, en chevrouta, la vaisselle. Bechol derachecha, betoch hadrachim. Pas avec les drachim. Tu peux dire bechol, c'est avec. En même temps que tu cueilles des pommes, tu dis aussi des Mishnayot. Non, dans la cueillette des pommes, tu. Profond de la matérialité et aller Ah. chercher, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est le fait de le faire l'ishma à 100% qui va me faire rencontrer Dieu, mais pas Non, directement avec l'action? non, parce que tu sais que aujourd'hui, maintenant, c'est ce que je dois faire. C'est ce que Dieu attend de moi. Donc je le fais pour Dieu. Je suis Oved et Hashem, ça dans le pays. Et c'est faisable. Les gens pensent que c'est miraculeux. C'est pas miraculeux. Il suffit d'y penser. Faut savoir que la pensée, comme on dit toujours à des juifs, ça ne coûte pas de l'argent. Et pourtant, c'est l'essentiel. Regardez, il y a quelqu'un, par exemple, il a pris un marteau et des clous, des vis, une perceuse, et pendant une semaine, il se prépare une souka. Il sue, il se casse la figure, et la poutre lui tombe sur la tête, etc., etc. Et voilà qu'arrive le moment de Soukhot. Il rentre avec aucune kavana. Mitzvot, c'est chod kavana. Ça a porté atteinte à sa mitzvah. Et un autre qui n'a rien fait. Il s'est pas efforcé du tout. Il arrive, il y a une soukha toute prête. Un beau sourire à celui qui l'invite. Il va, il pense, Dieu, je suis venu accomplir ta mitzvah. Et bien lui, il a fait une mitzvah parfaite. Parce que tu es un être pensant. C'est avec ta pensée essentiellement que tu sers Dieu. Donc dans les mitzvot, c'est comme ça. Mais le chidouche, que c'est aussi comme ça dans les activités quotidiennes. Tu dois manger. Ah, c'est super, on va s'éclater, etc. C'est là. On n'a rien contre. C'est pas péché, comme on dit en France. Mais c'est animal. En cela, dans cette manière de manger, tu n'expliques pas ta coma, ton étage humain et encore moins ton étage israélien. Il suffit d'avoir une pensée avant de manger. Et ces fameux 10% dont vous dites qu'ils vont s'adonner totalement à la Torah, ils ont une approche ou une malade de la Doucha qui est différente? Évidemment, parce qu'ils baignent totalement toute la journée dans la spiritualité. Donc leur cervelle est Pourquoi c'est toute. censé, Parce que leur à quoi leur cervelle. éthique, c'est censé être juste une petite partie du âme? Non, j'explique, parce que leur Pourquoi ils ne cervelle. sont pas capables? Non, au contraire. Ah, parce que tout le peuple n'est pas capable, évidemment. Tout le peuple n'est pas capable de baigner totalement, tout le temps, ne pas perdre une seconde de vue le divin. On en avait parlé une fois dans Orot HaTeshuvah, le Rav Kook, il décrit ces gens-là. Il dit, il y a des grands tzadikim qui parfois se sentent très très mal dans leur peau parce qu'une seconde dans la journée, ils ont oublié Dieu. Ils n'ont pas pensé à Dieu. Après, il dit le Rav Kook, ça c'est des tzadikim de deuxième choix. Les vrais tzadikim, ça ne leur arrive jamais. Il peut arriver qu'ils ont pensé à Dieu par amour et non pas par crainte. Ou bien par crainte et pas par amour. Une seconde dans la journée. Et ils se sentent totalement détruits. Comme si, Chazé Shalom, que moi et toi, on venait de sortir maintenant d'un crime. Je viens d'assassiner une petite fille. Alors imagine comment tu te sens dans tes pompes après un tel événement. Eh bien lui, il se sent exactement pareil. Si une seconde dans la journée, il a pensé à Dieu que par Ava et pas par Ira. Et vice-versa. Et le Rav Kook pousse encore le vice. Il dit, les véritables tzadikim, ça leur arrive jamais.
constamment il pense à Dieu, Shivit Yashem Legitamid, et constamment avec une crainte révérentielle, et avec un amour intense de se rapprocher de Dieu. Mais il peut arriver que ce n'est pas 50-50. 49-51, 51-49. Et la perte d'équilibre les détruit totalement. Ils ont un sentiment de culpabilité invivable. Bon, tu comprends bien que l'humanité entière ne se trouve pas encore à ce niveau, ni le peuple d'Israël, ni la quasi-totalité des rabbins que tu connais aujourd'hui. C'est clair? Donc ça, c'est la crème de la crème de la crème. Et à quoi ils servent, ces gens? Eh bien, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont un point culminant de Kedusha, eh bien, nous, on peut un petit peu se hisser. Ils nous tirent. Parce qu'il y a Sod Artout Veneshamot, le secret de l'unité des âmes. Lorsqu'il y a dans le peuple d'Israël une âme très, 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 très haute, eh bien, elle hisse avec elle les autres âmes. Donc, Dieu a bien fait son coup. Il a fait en sorte que dans la nation, ben, qu'il y ait tout un groupe, qui est le Shevet HaKiguna, qui tend à s'élever à ce niveau constamment. Et c'est ça leur activité essentielle d'abord, leur propre Kedusha intrinsèque. De plus, ils ont aussi une activité éducative. Ils doivent se promener toute la journée en Eretz Israël et enseigner la Torah à tous les Juifs. Pour ne pas qu'ils sombrent dans la matérialité. Parce que quand tu es en activité matérielle constamment, il faut un effort constant et très très fort de ne pas sombrer dans les aspects moches et sombres de la matérialité. Donc ça nécessite encore plus de force que celui qui baigne totalement dans l'étude de la Torah constamment. Donc qui va se soucier que ces envoyés de Dieu qui construisent le monde ne sombrent pas dans la matérialité et finalement dans la Touma? Ben c'est les Kohanim. Tous les jours, chaque juif rencontre un Kohen. Il suffit que, imagine-toi par exemple, tous les jours tu rencontres un super tzaddik. Tu n'as pas le temps de tomber que demain il va te relever. C'est-à-dire, tu viens de sortir d'une rencontre avec un très très grand sadique, ça a l'air sur toi un impact très très fort qui ne te permet pas de chuter. Et avant que tu commences à chuter, ben demain tu le rencontres à nouveau, tu rencontres un autre sadique, et ça tient constamment la moyenne du peuple d'Israël à un niveau assez élevé. Donc il dit le Ra dans la Piscabette, regardez. Bézé, Shenim Saïm, Rabbi, Mibene Israël. שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו. מוסיפים רוח חיים ואור פנימי מעודד ומקשר בכל האומה כולה. Ces gens-là ajoutent de la force, une force de vie intérieure et encourageante et liante, c'est-à-dire qui réunit la nation dans toute la nation entière. Donc, en tant que responsabilité nationale, le peuple d'Israël doit se soucier de mettre sur pied une unité d'élite de tzadikim qui sont à un niveau de sainteté très 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 haut. Mis à part le fait qu'on doit se soucier d'enseigner la Torah à tout le monde, dans toutes les écoles, dans tous les systèmes éducatifs, etc., ça c'est très important. Mais il faut aussi qu'il y ait une unité très 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 sainte, qui seule elle est capable, avec sa force intérieure, de propager leur sainteté sur toute la nation. Et ceci renforce, car n'oublions pas que notre force essentielle, nous la prenons de Dieu, car on est le peuple de Dieu, et donc plus on renforce, on va dire, la centrale atomique du peuple d'Israël, qui est la sainteté la plus haute, plus cela donnera des répercussions dans notre réussite technologique, scientifique, médicale, économique, militaire, etc., etc. Je voudrais un petit peu développer avec vous ça. Vous avez tous vos livres devant les yeux? Alors, ouvrez Gimel Zayin. Regardez, on va voir trois piscaot qu'on a déjà étudiées. Alors, dans le même livre, Orot Israël, chapitre 3, pisca 7. Alors, ça se trouve à la page. Je vais dire ça tout de suite. Page Kouf Mem Zayin, 147. Vous avez trouvé? C'est bon? C'est ok. C'est bon. Comme ma chère Adam, marbe Torah ou mitzvot, mitkacher ou yoter beknesset Israël. Plus l'homme multiplie l'étude de la Torah, se renforce et de la complexion des mitzvot, il se lie davantage au peuple d'Israël. Ou margish bekirbo et nishmat aklat kulo. Et de plus en plus, il commence à ressentir au sein de lui
l'âme de toute la nation. C'est-à-dire, à travers l'étude de la Torah et à travers l'accomplissement des mitzvot, on se lie à l'âme d'Israël et on se sent totalement intégré dans la nation, appartenant à la nation, vivant de la nation et vivant pour la nation. Évidemment, c'est lorsqu'on étudie la Torah comme il le faut. En recherchant Dieu et non pas en recherchant une activité intellectuelle ou bien une élévation individuelle dans la technicité, mais en voulant venir à la rencontre de Dieu. Betamsito et Teredona. C'est-à-dire, il prend contact avec le peuple d'Israël dans son concentré le plus suprême. Maintenant, quel est le baromètre pour savoir si tu as réussi ton coup, si ton étude de Torah était effective, si l'accomplissement de tes mitzvot était effective, est-on véritablement accroché profondément dans le peuple d'Israël? Eh bien, t'as qu'à voir. Si tu ressens profondément la douleur du peuple d'Israël, et si tu es enthousiasmé des réussites du peuple d'Israël. C'est-à-dire, comment tu te ressens? Personne ne te regarde, tu es avec toi-même maintenant. Qu'est-ce que tu sens quand tu entends qu'il y a un malheur qui frappe le peuple d'Israël? Est-ce que tu en es affligé? Ou tu dis, bon, ça arrive, hein, on n'y peut rien. Ben, statistiquement parlant, ça arrive qu'il y ait des morts, qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait des estrades qui s'effondrent et qu'il y a 40 personnes qui meurent. Ben, ça arrive dans tout le monde, non? Si tu as ta réaction, la Torah n'a pas été effective. Tu devrais ressentir comme si c'est ton fils qui est mort. Ça c'est clair, pas besoin de te l'expliquer. Imata Tchlabin, Zeshar Mitzvah. Shar Mitzvah, Zishtatfut Betsaram chez l'Israël. Quelle est la récompense de ta mitzvah? Ça veut dire la conséquence naturel de l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah, c'est le fait que tu deviens très très proche du peuple d'Israël. Car la Torah n'est que l'âme d'Israël. Et à force d'avaler de l'âme d'Israël, tu te liens à Israël. Tu n'as plus d'autre vie. Tu ne penses plus autrement. Tu ne penses que Israël, Israël, Israël constamment. Donc évidemment, quand on touche à Israël, ben tu en es affligé. Tu en pleures. Alors regardez. Vechash bechol mahuto. Il ressent dans toute son essence la douleur de Knesset Israël lorsqu'elle est en bassesse. Et donc évidemment, lorsque l'image de marque d'Israël est réélevée, bah il est en joie constante. Azimalez rokpinu. On dit Chazal à travers toutes les générations. Quand les mitabel al khurbana shirushalaim, zoche veroe besimchata. Celui qui s'est vraiment endeuillé de la destruction de Jérusalem, qui sentait fortement la catastrophe. Alors, dès que le peuple d'Israël sera reconstruit, eh ben, il éclatera de rire. Il ne pourra plus s'arrêter de rire. Azimel et Tropin. Mais celui qui s'en foutait du peuple d'Israël parce qu'il ne vivait que sa dimension individuelle, pour lui, rien n'a changé. Ça ne va pas changer le poids de cette filine et son tosfot, etc. Que ça peut bien faire. Ça ne touche pas à ma vie individuelle. Donc il savait rétroactivement que toute sa Torah ne valait rien. Il se sent lui concerné, enorgueilli de la fierté d'Israël. Il est orgueilleux d'appartenir à Israël dans le bon sens du terme. Il dit ça de toute joie. Au bout de mon casse-croûte, ça peut être à Jérusalem, ça peut être à Montmartre, ça peut être même à dans n'importe quelle ville d'Israël. Il s'en fout, le bonhomme. Ça n'a rien changé à son train-train quotidien. Ce qui prouve qu'il n'a rien compris à la Torah. Ce qui prouve que la Torah n'a pas été effective sur lui. Alors réjouissez-vous d'une joie intense tous ceux qui se sont endeuillis de son désastre. C'est-à-dire, si tu t'étais endeuillé de son désastre, alors tu seras rassasié de sa consolation. Tu seras satisfait et enjoui de sa consolation. Lamantem motsu vitarnaktem visiv kevoda. Regardez maintenant Vav Bet. Encore deux piscottes. Donc chapitre 6, paragraphe 2. Vous voyez, c'est à la page Kuf Nunchet, 158. Les filles
chez Kol Yachid Mit'alé, tiers, relativement à l'élevation de chaque individu. Chez Kol Trunato Aishit Mizekechet, c'est-à-dire plus son caractère personnel se purifie, car Humadbia Betochiyut chez la c'est Koufin. Chaque fois que tu fais une bonne action, que tu te purifies, ça ne reste pas en toi. Tu investis ça dans l'âme d'Israël. Tu enrichis le trésor d'Israël. Tu intensifies la vie du peuple d'Israël. Matbia betuchiyut eloma kula trelek atzilim shevo. Tout cet aspect noble que tu as développé en toi, il est ensemencé dans la neshama de clan d'Israël. Vim mitvasefet aliado ba'atara shetiferet. Et grâce à toi, ça couronne le peuple d'Israël, ça le renforce. Et ceci aura des répercussions au niveau économique, militaire, technologique, etc. Venasit bichlala reuya leavol bekut shelchen. Et de manière générale, après, elle devient de plus en plus apte à être prise en grâce par les juifs, par les goïms, etc. Alken, atzad aruchani, shebitgamrut alumiyut talui bezikuch haishi shel kol prat. C'est-à-dire, si on veut aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, en quoi puis-je aider au mieux le peuple d'Israël? En te purifiant, en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot. Évidemment, il y en a qui disent, comme j'étudie la Torah, alors je n'ai pas l'armée. Mais l'armée aussi, c'est une mitzvah. Et ce n'est pas une simple mitzvah. C'est Shekula Keneged pour la mitzvot. C'est comme si quelqu'un qui dirait, comme je suis un étudiant de la Torah, alors je suis exempté de mettre les tefillin. Eh bien non, au contraire. Si tu étudies tellement la Torah, tu comprends l'importance des mitzvot. Donc tu y adonnes totalement. Et si tu vois que c'est marqué noir sur blanc dans le Rambam, Sheshikula, mitzvot, ishuvar, et keneged kol mitzvot kulam, c'est pas une blague. Le Rambam, c'était pas un Belge qui raconte des blagues. Donc on eût supposé trouver dans les unités d'élite les plus dangereuses de l'armée d'Israël, les plus grands Kdoshim, les plus grands Tzedekim. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y en a. Il y en a que non. Ils n'ont pas compris encore. Patience. Ça ne sert à rien de faire de la terreur, ce n'est pas comme ça qu'on les amènera. Plus on diffusera la Torah Ta'emet, la Ha'emet Torah Darka. La vérité gagnera tout finalement. Il faut redire et redire et redire sans se fatiguer. Sans user de superlatifs, sans essayer d'accuser, sans essayer de culpabiliser. Tout simplement le dire et le redire et le redire. Finalement, Avanim Shahaku Maim. Rabbi Akiva, c'est comme ça qu'il a été convaincu d'étudier la Torah. Il avait une tête de pierre, il ne comprenait rien. Il a vu, au goutte à goutte, ça a fait un trou dans la pierre. Il m'a dit, ben mince alors, si la pierre avait pu être percé par de l'eau, ben ma tête aussi réussira à un certain moment. Donc on a la formule magique comment faire des révolutions dans ce monde. Dire la vérité constamment, sur le même ton, avec les mêmes phrases. Pas besoin de faire des conférences enthousiasmantes et ben, remplies d'éclairs. Ça c'est bien pour la frime et pour les écrans de télévision. Il faut répéter et re-répéter et répéter. Parfois le Rav Souda répétait les mêmes choses 1000 fois, 2000 fois. Mes amis disaient, bon, ça va, on a compris. Taper sur la table, je répéterai ça encore 10 000 fois, à force de taper, le clou rentrera dans la tête. Parce que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas compris cela. Ça fait 2000 ans qu'on a vécu à l'échelle individuelle, et chacun pour soi. Donc de reconstruire à nouveau cette dimension de collectivité, si on investit 20 ans, c'est pas beaucoup. Et même 200 ans, c'est pas beaucoup. Pour guérir du malheur, de la haine gratuite, de l'individualisme. Donc il faut répéter et répéter et répéter, ça se propagera sans aucun doute. Non, à l'époque de David Meller, quand tout le monde allait à l'armée, quand ils allaient à la guerre justement, c'est parce qu'il y avait une dimension de l'armée et de la guerre qui était, ou qui est, totalement différente que ce qu'on pourrait avoir actuellement. Donc les gens, ils y allaient parce qu'ils avaient l'impression de faire une vraie avodat Hashem. Donc c'est vrai qu'il y a un éveil de conscience qui doit être fait d'un côté, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité d'un changement dans la conception de ce qu'est l'armée aujourd'hui?
pour aider justement, parce que dites, on peut répéter, vous avez raison, on peut répéter pendant 200 ans, mais si la raison pour laquelle aujourd'hui il n'intègre pas, c'est parce qu'il y a une conception qui n'est pas celle qu'on avait à l'époque de David Ameller. Et comment qu'on fait pour changer l'existence en y rentrant des tzadikim? S'il n'y a que des réchaïm, ben ils se sentent bien dans leur ambiance. Je te donne deux histoires. Ouais, bah alors ça va être un dialogue de sourds, parce que les tzadikim ne veulent pas rentrer. Ils disent que justement, là-bas, la conception n'est pas là, n'est pas ce qu'ils recherchent. Moi, pour rejoindre ça, mon fils il me dit, je dois aller à l'armée bientôt. Mais qu'est-ce que je vais à l'armée avec ce gouvernement-là? J'ai pas envie, s'il ne me donne pas envie, c'est même faire aller à l'armée. Alors écoute une histoire de ce dimanche. Ce dimanche, j'étais au shiur du Rav Aviner, comme d'habitude. Il y avait le Rav Hager. Rav Hager, qui est le directeur de la Mechina de Yatir, qui lui-même était un officier très très gradé, avec, je ne sais pas quoi, 40 falafels sur les épaules, mais quelqu'un de modeste et de humble, et très très gentil et très bon cœur. Il lui dit, monsieur le rabbin, on a un véritable problème. Quel problème? Eh bien, le Bagatz a décrété qu'on peut rentrer du Hametz à Pessar dans l'armée. C'est le nouveau degré du Bagatz. Pas dans les cuisines, mais dans chacun dans son sac pratique, individuel, pour rentrer un casse-route. Alors, il dit, alors, qu'est-ce que tu proposes? Ben, des fois, quand on fait du bruit d'en bas, ça fait bouger en haut et peut-être le Bagatz pourra revenir sur sa décision. Moi, je suis pour. Et tu penses que tu auras beaucoup de manifestants? Je ne suis pas tellement sûr. D'ailleurs, chaque fois qu'on organise des manifestations, dernièrement, il y a trois tournées un peu laides, les gens sont habitués au Zoom, ils n'ont plus tellement envie de sortir. Et si on ne réussira pas, qu'est-ce que tu proposes? Qu'on arrête d'aller à l'armée? On peut se payer ce luxe? Parce qu'on va dire aux Syriens, et on va dire aux Irakiens, et aux Iranais, et le voisin d'Aza et du Liban, pousse, arrêtez de faire la guerre parce qu'on a du Hametz dans les chambres. Vous savez qu'il lui dit, c'est un gros problème d'avoir du Hametz, c'est vrai, évidemment. Mais c'est pas tellement dur entre nous, parce que t'es pas obligé de le manger, et si ton copain prend un casse-croûte à côté de toi, t'as qu'à tourner ton regard, et d'autant plus qu'il n'y a aucun péché à voir quelqu'un manger du Hametz pendant Pessah. Mais il fut un temps où on avait des problèmes plus graves. Tiens, la mémoire courte. Il fut un temps où les bases militaires de Tzal étaient emplies de prostituées. Tu te rappelles à l'époque de Midian? Les ennemis ont envoyé des prostituées pour faire chuter le peuple d'Israël dans la débauche et comme ça l'assassiner. Et alors, Moshe Rabbeinu a dit, pousse, dans ces conditions, on n'est pas prêt à faire la guerre. Ou vous prenez vos prostituées, ou bien on boude, on ne fait pas la guerre. Eh bien non, on fait la guerre. La guerre devient encore plus compliquée. Et d'ailleurs, la Torah a permis d'avoir une relation sexuelle, la première, avec ses prostituées. Dibra Torah keneged etzerara. Prenant en compte qu'un soldat de l'époque avait aucune chance de résister. Parce que c'est pas comme aujourd'hui où c'est une colonie de vacances, l'armée, où on retourne toutes les semaines à la maison. À l'époque, on sortait en guerre pendant 10 ans, 20 ans, et on voyait pas sa femme, on voyait pas une seule femelle à l'horizon, alors que tout d'un coup débarque une fille attrayante et sexy, je sais pas comment on dit ça en français, aucune chance de se retenir. Et si tu aurais obligé à se retenir, ils auraient pété tous les plombs, et là ils seraient écroulés, et l'ennemi nous aurait bouffés. Maintenant, si quelqu'un pense de manière individuelle, comme c'est le cas dans pas mal de groupes dans ce pays, il dit, moi je m'en fous de l'armée. L'essentiel c'est sauver ma peau. L'essentiel c'est mon confort matériel, mon confort spirituel, mon confort religieux, et le reste j'en ai que faire. Mais si tu comprends que la Torah s'adresse à la nation, et que cette nation a une vocation de lever l'humanité entière, écoute, qu'écoute, je dois la sauver, cette nation. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation devient plus compliquée. La guerre, on doit la faire de toute manière, parce que nos ennemis, ils ne vont pas arrêter parce que c'est pas cacher les méadrines, et parce qu'il y a du hametz, et parce qu'on veut cuire du lait. Et s'ils n'arrêtent pas, eh ben on sera tous exterminés. Alors, il y en a des autres qui vont dire, ben, il y a cette zone-là, de toute façon, pour moi, j'y vais. C'est-à-dire qu'il y a de la chair à canon, et moi je garde mes copains avec moi.
Je connais Dafka, je suis en train d'étudier, je vous ai dit, avec un Haredi Litaï, mais qui lui enrage, mais qu'il soit Haredi, le fait que les Haredim n'aient pas l'armée. Alors il m'a dit, une fois j'ai écouté un Haver Knesset de, je sais pas, de Yadout HaTorah, qui a dit, mais de toute manière, il y a assez de soldats. Il dit, pas de problème, je vais dans ton sens, il y a assez de soldats. Donc ça fait 70 ans que c'est les Chilonim qui ont fait l'armée, on inverse les rôles. Maintenant, eux, ils vont aller étudier, est-ce qu'ils ont envie? Et voilà l'armée pendant 70 ans. Donc tout ça est fondé sur une non-compréhension d'Avodat Hashem. Tout ça est la suite de ce qui a entraîné notre destruction, qui est Sinat Hinam, qui veut dire la perception individuelle de l'existence. D'abord, avant tout, mettre en avant le bien de la nation, coûte que coûte. Que je meure sur le front ou que j'ai des problèmes religieux. J'ai des problèmes, je les solutionne. Eh bien, t'as qu'à étudier Mesilat Yesharim 10 fois par jour. Mais on n'a aucun cas de dire, parce que je risque de fauter, alors je laisse mourir les Juifs. Ou je laisse envahir le pays d'Israël. D'abord et avant tout, je vais sauver le peuple d'Israël. Je dois sauver la souveraineté du peuple d'Israël. Et maintenant, je ne dois pas fauter aussi. Alors, ou tu vas aller à Yeshiva pendant 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, le temps de te renforcer et de devenir béton, impénétrable par la Averot, ou bien, et ce qu'il faut faire dans tous les cas, tous les jours te renforcer en Yirat Shamayim. Maintenant, c'est bien ce que tu es en train de dire. Parce que ces mêmes personnes qui prétendent que pour ne pas être atteint spirituellement, on ne va pas à l'armée, par contre, ils sont prêts à être atteints spirituellement pour gagner du fric. Parce que quand sa femme va travailler à la banque, elle n'est pas protégée des abus sexuels et des remarques désobligeantes, etc. Et sachez que tous les jours, elle se fait abuser. Une femme sur trois se fait abuser tous les jours. Pas d'Afka se fait violer. Une remarque désobligeante. Oh, elle est belle votre robe aujourd'hui, madame. Elle se la ferme. Pourquoi elle se la ferme? Pour ne pas être vidée de son boulot, pour emporter du pain à ses gosses. Et de vivre dans une telle ambiance, sans aucun doute, que petit à petit tu te dégrades spirituellement. Quand tu baignes dans une ambiance sale, tu te salis. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On ne travaille plus. Non, organise-toi pour travailler dans un endroit pur. Et s'il n'y a pas, eh ben, tu dois porter ton pain à la maison, quoi qu'il en soit. Protège-toi, étudie la Torah tous les jours, garde toutes les recommandations de Chazal, Ichoud, Kalout Roche. Ça aussi, c'est un travail compliqué tous les jours. Et bien, toi aussi, tu es dans le même bain tous les jours, tu vas au boulot, il y a autour des belles femmes parfumées qui ne sont pas toujours religieuses. Et tu dois garder tes yeux. Pas seulement garder tes yeux, tu dois garder ta bouche. Tu dois savoir dire bonjour de manière sec et dure. Et pas de manière agréable, et pas de manière amicale, pour garder une distance. Et surtout, ne joue pas avec le feu. Non, non, moi, je risque pas, moi, je suis un ange. Et elle aussi, c'est un ange. Et moi, ça fait la paire, alors, un ange avec une ange. Et après, on se retrouve dans le lit. Je ne sais pas comment c'est arrivé en comme ça. Ben, compte sur Chachamim qui s'y connaissent un peu mieux que toi dans Yitzhak Arayot. Donc, si pour gagner ton pain, tous les jours, tu risques ta peau religieuse pour damim, pour de l'argent. Puis j'ai d'mé Israël, le sang d'Israël, tu n'es pas prêt? Tu es un salaud, tout simplement. Je n'ose pas le dire parce que ça va les vexer. Mais je n'ai aucune tolérance. C'est tout simplement des salauds. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de le dire, parce qu'ils ne sont pas à même de le comprendre. Parce qu'on leur a bourré le crâne. Que la pire d'Avera, Avodazara, les Méhadrim, c'est d'aller à l'armée. Comme si que les soldats de David Abeler, ils n'étaient pas allés à l'armée. Comme si que les Maccabées n'étaient pas allés à l'armée. Comme si qu'Avraham Avinu n'était pas à l'armée. Comme si que Moshe Rabbeinu n'était pas allé à l'armée. Et la situation religieuse n'était pas mieux qu'aujourd'hui. Il y avait des prostituées dans le champ de bataille. Pas des soldats en pantalon, des soldates en pantalon. Mamash, des prostituées presque nues qui venaient pour nous détourner d'Hachem. On n'a pas dit, toi, dans ce cas-là, on arrête l'armée.
prends tes responsabilités. Adam Tzachli Traner Legvoura. Vous savez que à l'époque, il n'y avait pas de pnimiot, des internats dans les yeshivot. Et il n'y avait pas non plus de nourriture. Aujourd'hui, on est gâté dans les yeshivot. Il y a tous les jours de la soupe chaude, etc. Et il y a un internat dans la yeshivot. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait que la yeshiva. Tu te débrouilles tout seul. Va gagner ton pain pour louer une petite piole à côté et rapporte-toi un casse-route avec toi. La yeshiva du Rav Kook se trouvait Rehov Rav Kook. Pas comme aujourd'hui à Merkaz à Kiryat Moshe. Et manque de peau, cette rue, c'était la rue des prostituées. Ils ont dit Rav Kook, mais c'est pas vivable, c'est pas possible. Tous les jours, on rentre, on sort avec des prostituées. Et on peut pas rester tout le temps parce qu'il fallait dormir, donc ils avaient des maisons aux alentours. C'est Eric Voura. C'est Eric Voura. Voura Loli Kachel. Mais Rav, dans un cas pareil, on déménage. Il n'y a aucune raison de devenir guibord dans une telle situation. Tu as raison. Dès que ça a été possible, ils l'ont fait. Pas toujours c'est possible. Okay. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Et si, par exemple, tu as envie de renforcer la présence juive dans Jérusalem-Est, comme la Yeshivat Ateret Kohanim, et s'entourer d'Arabes. Et chaque fois que tu rentres et que tu sors, tu risques de te faire couper la gorge. Ça aussi, tu peux rentrer en trouille. Pas pour étudier la Torah, je risque de laisser ma peau à chaque fois. Et bon, on n'y peut rien. Mais c'est route Nefesh. Mais si vous avez fait à la Torah, mais si vous avez fait à l'Eret Israël. Il ne faut pas toujours chercher une situation totalement pure de tout problème. Dans ce monde, il y a des problèmes. Nous sommes dans un monde de problèmes et nous sommes appelés à les solutionner tous les jours. Il y a des gens qui rêvent de vivre dans un vacuum, vide de tout problème. Ça n'existe pas dans ce monde. Non, mais quand c'est possible, quand même minimum, justement. Quand c'est possible, donc, selon la halakha, je dois arriver du point X au point Y. Il y a deux rues. Une rue pudique et une rue non pudique. Eh bien, il est interdit de passer par la rue non pudique. Mais s'il n'y a pas de rue non pudique, eh bien, c'est permis de passer. Eh bien, ferme les yeux. Renforce-toi. C'est l'occasion de la voix de Hachem avec encore plus de gvoura. C'est à ça que tu dois penser chaque fois que tu te trouves dans une galère. Je vais montrer à moi-même et à Dieu combien je l'aime. Parce que quand la vie est cool, bon, il n'y a pas de challenge. Je ne dois pas, quand tu dis « l'otavine ou les denisayon », je ne dois pas entrer de moi-même dans un nisayon. Mais si je suis obligé d'y être, eh ben c'est l'occasion de montrer mon amour à Dieu. Donc, de toute manière, nous sommes obligés, ce n'est pas un luxe, de lutter pour la sécurité de notre peuple, pour la sécurité des rois d'Israël. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un gouvernement de tarte et il y a le Balgat, qui est, on peut dire, le nid de la richa aujourd'hui en Eretz Israël, qui s'amuse à nous casser les pieds et déjudéiser le pays. Eh bien, on passera cette période. On continuera d'aller à l'armée, avec plus de problèmes. Et Bezrat Hashem, lorsque nous reprendrons le pouvoir, on nettoiera la situation. Top, on continue. Pour terminer, il nous reste encore 10 minutes. On était donc où on était tout à l'heure? Vav, vous êtes avec moi là? Je suis tout seul. Non, on est là, moi je suis là. Serge est là. Donc quel piscan on était en train de lire? J'ai perdu le Vav Bet. Non. Ah quel? On a terminé Vav Bet. Donc on revient à notre piscan. La dernière on va voir, c'est Zayn Yud Zayn. Donc chapitre 7, paragraphe 17, regardez. Parlons, on va terminer, il nous reste 5 minutes, regardez. Yev Charlanou le daber advar tria loumit klalit, imnon le daber vinean tria pratit, chelkon neshama veneshama bifnatzma. Il nous est impossible de parler de véritable renaissance nationale sans parler de renaissance individuelle de chaque âme. C'est-à-dire, pour renforcer cette démarche, qui est le renforcement de la nation, la renaissance de la nation, nous sommes obligés aussi de renforcer tous les individus dans leur pureté, dans leur sainteté, dans leur religiosité.
Ça veut dire dans une intention nationale. Valken triat aneshamot betalele tria mitit ari ichelak yoter me'akev va'truna shel atria lumit. C'est la raison pour laquelle la renaissance des âmes, avec la rosée de la renaissance véritable, c'est-à-dire la plus profonde, Kital Orot Alecha, dit le Pasuk. La Torah, Ital, c'est une lumière qui fait revivre les morts. Donc c'est la chose qui empêche la renaissance nationale. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver qu'on puisse tenir la route comme ça de manière éternelle, que tout l'État d'Israël soit totalement laïque. Et qu'il n'y a plus, et qu'il n'y a pas de tout de religiosité, ça ne tiendra pas la route d'Hrav Kook. Au tout début, ça a pu marcher, tant bien que mal, mais le Rav Kook, il s'est empressé de ramener toutes les yeshivot en Eretz Israël, de renforcer la Torah en Eretz Israël. Car sans cette infusion constante de Torah, tout pourrait s'écrouler d'un moment à l'autre. Verdeaga azot, tournez la page, shel triyat haneshama, imunachat amok benef hakdoshim ma'aminim bitmimut lev. Ce souci de résurrection de la nation se trouve profondément ancré dans le cœur des saints qui croient en Dieu de manière la plus naturelle. C'est-à-dire que c'est leur souci. Comment sauver la nation? Comment faire que l'État d'Israël réussisse? Et c'est ça ce qui fait qu'ils courent de droite à gauche, qu'ils traversent tout le pays, qu'ils ouvrent des instituts de Torah, etc., pour sauver la nation, par amour de l'État d'Israël. אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם ממקור ערכיהם הלאומיים. Ces grands tzadikim qui eux, Baruch Hashem, n'ont pas été déracinés de la Torah, comme pas mal parmi nous, malheureusement. אומנם עתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בעלינו, maintenant c'est un fait que Baruch Hashem, il parle à son époque, que dirons-nous aujourd'hui, tout va dans des grandes dimensions, va en réussissant dans notre naissance nationale. Sachez qu'à son époque, il y avait quelques dizaines de milliers de juifs. Hein. C'est ça toute l'histoire. C'est-à-dire, c'est plus ou moins Kiryat Moshe. Il appelle ça Ekefi Magdolim. Alors qu'aujourd'hui, bon, chef, on est 8 millions de juifs, on est Israël, on est une puissance mondiale, économique, militaire, etc. Mouchachim anachou l'amin, matzave nefesh ka'ele, shiyovilu otanu mitoch atria nishmatit apratit et tria shel haouma bichlal. Nous sommes obligés de construire aujourd'hui des âmes qui, même quand elles s'occupent de leur progression spirituelle, tout est en vision de l'intérêt national. C'est-à-dire, il y a des gens, toujours ils étudiaient la Torah, toujours ils faisaient leur midot, etc. Mais ils étaient recroquevillés sur eux-mêmes, cherchaient leur intérêt personnel. Dit le Rav Kook, dans tout Avodat Hashem aujourd'hui, quand tu pries, pour clan Israël. Quand j'étudie la Torah, pour clan Israël. Quand je fais des mitzvot, pour clan Israël. Et même quand je comprends un texte, automatiquement, je dois me dire, comment je vais l'expliquer? Pas seulement comment je l'ai compris. Comment je vais le traduire dans le langage de la génération? Sans obstacle. Sachant qu'il y a toutes sortes de concepts qui énervent, qui exaspèrent, et encore plus que des concepts, des termes. Il y a des termes qui exaspère. On n'y peut rien. Ils ont réussi à empoisonner quelques millions de juifs. Qu'il y a des mots qui exaspèrent. Comment je vais dire la même chose dans un autre terme? Mais c'est exactement la même chose. Sans être piégé par le terme qui risque d'exaspérer et donc qui ne va pas être intégré. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Je veux dire, moi j'ai compris, je m'en fous, moi c'est bon, j'ai compris, j'ai grandi. Et les autres? Je laisse mourir la bouche ouverte. Comment véhiculer ce même concept qui va le faire grandir, qui va le purifier, qui va le sanctifier, sans cet obstacle? Cette manière de le dire, ce terme qui a été déjà diffusé dans tous les médias comme quelque chose de sale et de rébarbatif et d'obscur, etc. Comment je vais dire exactement la même chose dans un autre terme? Donc toute mon avodat Hashem, mais chouvenet et klal Israël. Il dit le Rav Kook, malheureusement, tout ce qui aujourd'hui s'adonne à la construction de la nation à son époque, c'est-à-dire les dirigeants du sionisme, ont totalement oublié cela. La Torah, les mitzvot, les Yiras Shamayim, ils n'ont pas seulement oublié par hasard. Ils se sont forcés d'oublier, de faire oublier les autres même.
כמו שנשתכרה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה. Dans ce phénomène n'est pas particulier au peuple d'Israël, c'est dans le monde entier. Tout ce qui s'adonne aujourd'hui au développement matériel du monde sont déconnectés avec toutes les considérations spirituelles et morales. Ou betriot amasiot et la tarbout enoshit, c'est-à-dire tout ce qui s'adonne aujourd'hui au développement du monde concret, du monde réel, aussi sont déconnectés. Toute la civilisation moderne actuelle souffre de cette obscurité, de manière incommensurable, d'abandon de toutes les valeurs de la morale, de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont définis. Ce sont des peuples qui oublient Dieu. Oublier dans la Torah, ça ne veut pas dire oh, pardon, j'ai oublié, j'ai mis mes clés. Oublier, c'est de manière active. Je ne veux pas en entendre parler. J'efface ça de ma mémoire. Parce qu'il y a marqué Kol Asherer Davar Mitalmudo Kilo Mitchayev Benafsho. Celui qui oublie quelque chose de son étude, il mérite d'être tué. C'est un petit peu graphicisme, ça arrive des fois qu'on oublie quelque chose. C'est ça qu'on a Asherer. Comme on dit en slang aujourd'hui, Tishkar Mise. Oublie, aucune chance, ne rêve pas, tu n'auras jamais ce truc. Ça veut dire que c'est volontaire. Celui qui volontairement se déconnecte du souvenir de Dieu. Et bien c'est la civilisation actuelle qui lutte contre Dieu, qui font de tout pour extirper la pensée divine de notre existence quotidienne. Que Dieu ne soit pas présent dans notre conscience. Mitzada mahala shel shichachat Hashem. C'est la maladie de la modernité aujourd'hui, ces 100 dernières années. L'oubli de Dieu. On ne comprend pas exactement de quoi il parle parce qu'on est né dans cette ambiance. Mais sachez que ce n'était pas toujours comme ça. Il y a 100 ans, Dieu était présent dans la conscience des hommes. Il était présent dans leur manière de parler. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a aujourd'hui des rescapés de cela dans notre langage. On dit « si Dieu veut ». Mais personne ne pense à Dieu quand on dit « si Dieu veut ». C'est une expression idiomatique. Même les plus grands coffrets, ils te disent « anikofer baruch Hashem ». Oh Dieu, Dieu merci, je suis hérétique. Mais d'où proviennent? Et n'en parlons pas dans le langage arabe. C'est empli de Dieu le langage arabe. Celui qui parle arabe, il voit que le nom de Dieu revient à tout instant. Parce que la conscience humaine était emplie de la connaissance de Dieu. Maintenant, ces 100 dernières années, il y a eu un effort qui a été dans ce sens, de faire oublier Dieu. D'écartier l'humanité de Dieu. Et dans l'État d'Israël, ça a commencé à l'époque de Ben Gurion, après ça s'est un petit peu calmé, et là, ces 10 dernières années, ça reprend de plus belle, et dans ce gouvernement, c'est l'apothéose. Donc, calmons-nous, ce sont les derniers subrosauts d'agonie de cette volonté d'écarter Dieu de l'État d'Israël. Si Dieu veut, ce gouvernement tombera rapidement. Et le peuple d'Israël reviendra de plus belle, avec un amour intense de son identité juive. Et c'est leur rôle. C'est ça le rôle de la Rish'a. C'est d'exaspérer tellement que même les gens qui n'y pensaient pas tellement, qui étaient un petit peu endormis, qui dormaient sur le laurier, ça les exaspère, ils vont sortir en guerre pour la gloire de leur identité juive. Ils ne seront pas récompensés, ils auront gagné un homme avant qu'ils fassent tout va. Mais s'ils ne font pas de tshuva, ils iront en Géhinnom. Tous ceux qui ont œuvré pour éteindre l'étincelle d'Israël. Et ils ne savent pas qu'en cela, ils contribuent à allumer de plus belle la flamme d'Israël. Patience. C'est une histoire d'un an ou deux maximum. Et vous verrez que la terre d'Israël, le pays d'Israël, sera inondé d'identité juive. Top, on continue. Mitzad ha-mahala sel shichachat Hashem. C'est la maladie de l'oubli de Dieu. Donc c'est un phénomène universel. Et bien il dit le Rav Kouk, dans cet univers, il y a aussi le peuple d'Israël qui est en train de renaître. Et bien lui aussi, il en souffre de cette maladie. Il a été contaminé de cette maladie. Et le Rav Kouk ne renonce pas. Il rappelle à l'ordre. Comment on appelle ça, Khaloutim, les pionniers. Les pionniers de la Renaissance nationale doivent s'adonner totalement à ces deux travaux en même temps.
la renaissance matérielle et la renaissance spirituelle. Triato shel ha'sechel ha'elohi betoch ha'mada ha'ma'asi lechol machlokotav, c'est évidemment le réveil de l'intelligence qui nous provient de Dieu dans la science, dans la réalité, c'est-à-dire dans les structures matérielles de la nation. Ve'triata shel ha'neshama elohit, mais ne pas oublier l'essentiel, la renaissance de l'âme divine qui est dans ce peuple. Betoch ha'triya lehumit, et pas dans l'individu. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose que dans les chivotes on parle de Dieu. C'est pas trop mal, mais peut faire mieux, comme on le dit. Ce qui nous intéresse, que c'est sur le podium de la Knesset on parle de Dieu. Et qu'on n'arrête pas de parler de Dieu. Et que notre seul souci est de rendre Dieu présent dans notre nationalisme. Et lorsque l'État d'Israël proclamera haut et fort la présence de Dieu dans ce monde, alors l'humanité entière va s'aligner à cela. Les politiciens ne sont pas conscients de la responsabilité très très lourde qui repose sur leurs épaules. Car toutes les caméras du monde sont braquées sur la Knesset. Ils attendent tous, ils sont tous en attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est quoi ce truc-là, des morts qui se lèvent de leur tombe, qui sortent en poussière d'Auschwitz et qui se ramènent sur leur terre et qui grandissent. Mais qu'est-ce qui va sortir de cette histoire? Donc ils attendent. Et tout le monde attend. Et il y a environ 120 ploucs qui s'escarbouchent les uns les autres pour des intérêts vils et idiots et crétins, etc. Et donc ils sont déçus. Ils sont frustrés. Mais n'ayez crainte. Très bientôt. Très bientôt, Bezrat Hashem, sera dit haut et fort le nom de Dieu sur le podium de la Knesset. Triata shel ha'neshama elohit betoch ha'triya lehumit lechol ma'arachoteh ha'ma'asiyot, de manière que ceci se propage dans tous ces systèmes d'activités les plus concrètes, les plus réelles, jusqu'à que, comme on l'a dit la fois précédente, Yekadouf Kodesh al-Mesilot Hashus, que le nom de Dieu Yudke Vavke soit gravé sur les talons des chevaux. Ça veut dire, même dans les aspects les plus matériels, on retrouvera le nom de Dieu partout. Ce sera clair qu'on œuvre que au nom de Dieu, pour Dieu, et pour diffuser la divinité dans le monde entier. Dans le monde entier, Bimera Be'amenu, Amen. Portez-vous bien, Kol Tov. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, bo'ach.